Medjorno e 25 minuti scopriamo i titoli dell'attualità. Eseguite dell'assassinato di David Costa d'Olesi, l'uomo di 41 anni di stato d'Omboeri dopo mezzogiorno davanti a un bar in Bastiglia. L'inchiesta ora si primordiano di personalità di vittima conosciuta da giustizia. Air France Sinewa d'Orly, la compagnia aerea si adatta in Roissy, una scelta strategica per il partenariato d'Air Corsica. Vedremo le conseguenze per i passeggeri tra Corsica e continente, ma di no in un quadro di diama d'offerta di prossima delegazione di servizio pubblico. Continuiamo a spassigliare questi luoghi nella Valle Rossa e oggi ci interessiamo alla vita economica di questo regione. Scontreremo gente che fanno la scelta di lavorare in un paese anche se è difficile, l'affare si può sempre fare. Saluto a tutti, benvenuti in questo Corsica Brief. Ma dunque è cominciato l'inchiesta di polizia giudiziaria dopo l'assassinato di giorno ieri di David Costa d'Olesi, 41 anni, la vittima a Bigia di era conosciuta dai servizi di polizia. Sto riporto di Jean-André Marchiani e Guillaume Leonetti. I fatti sono accaduti in Correia dopo mezzogiorno, allora che gli abitanti di un quartiere di cittadella si ne rincasavano e che i zideli sortiano di scuole. Sono quasi 5:25 quando si sentono parecchi corpi pistoli davanti al museo, due uomini con la faccia piattate e armati sono visti in traccia ai fughi a piedi per se strette le stiacce. La vittima è la David Costa d'Olesi, 41 anni, si ne muore poco tempo dopo, malgrado il lavoro di servizi di salute, vicino a un caffè che la sfruttava a sua moglie. L'uomo era conosciuto dai servizi di giustizia con parecchie condanne. L'ultima 3 mesi fa, per ciò che tocca una rete ai giochi azzardo per questi caffè, aveva entrato in prigione da qui a fine di un mese di novembre, anche se l'aveva fatto appello. Non sa che era stato condannato in un quadro di un'inchiesta per violenza e racket di betto all'intreprenore e Patrick Rocca, ma quello aveva negato e la condanna era cascata solo per violenza, dirà nel 2017 e all'epoca era considerato dalla polizia David Costa d'Olesi come vicino assai di avanza criminale detta di Federici. Cominciava l'inchiesta per omicidio in banda organizzata, i dirori conoscevano o no l'abitudine di David Costa d'Olesi, come ce l'hanno fatto beffoni a piedi senza essere interpellati, toccherà la polizia giudiziaria, caperà il cartolare in mano di rispondere a queste domande. A tempo che, la giurisdizione interregionale specializzata in Marsiglia, incarica di cartolare di gran banditismo, è stata tenuta a capo l'affare e poteria recuperarlo. St'assassinato a Caudoeri di un 5° da voi principio dell'annata in Corsica, proasine forse di una rimanigliata di un crimine organizzato isolano. In giustizia sempre in un processo di Redouane Faïd, sono conosciute e requisizioni 22 anni domandati contro l'accusato per aver scappato in elicottero di prigione di Reo in 2018. 5 années de prison ont également été demandées à l'encontre de Jacques Mariani, qui comparaît dans cette affaire. Il est suspecté d'avoir aidé Redouane Faïd, des faits que Jacques Mariani conteste. Le point avec Marie-Françoise Stéphane. Celui qui a bénéficié de toutes ces aides, c'est Redouane Faïd, ont martelé les 2 avocats généraux à l'encontre du personnage central de ce procès. Au terme de 8 heures de réquisition, le ministère public demande une peine de 22 ans de prison à l'encontre du braqueur multirécidiviste de Creil pour s'être évadé de la prison de Réau le 1er juillet 2018. 1 an avant, Redouane Faïd aurait caressé l'idée de s'évader de la prison de Fresnes par l'intermédiaire de son frère Rachid et de Jacques Mariani, figure redoutée du banditisme insulaire. Un projet criminel mûrement réfléchi qui avance sous les radars de la justice, décrit l'accusation. À l'encontre de Rachid Faïd, l'homme ressource, le ministère public demande une peine de 18 ans de prison, 5 ans pour Jacques Mariani. Conteste évidemment, c'est l'association de malfaiteurs. S'il y a eu une rencontre ou 2 rencontres, enfin une rencontre en tout cas entre Jacques Mariani et le frère de Redouane Faïd, c'est aucunement en vue d'organiser une évasion de Rachid Faïd. Il y a absolument de Redouane Faïd, pardon. Il n'y a absolument aucune velléité de la sorte, en tout cas pour Monsieur Mariani. À l'encontre de l'ex-repenti qui comparait derrière un paravent, les avocats généraux ont demandé une peine de 3 ans de prison avec sursis. Leurs avocats vont demander l'acquittement. Verdict le 25 octobre. di una scelta strategica che pone questione. Air France ha deciso di tramutare la sua attività amministrativa da Orly a Roissy. Si sa che questa compagnia è partenaria di Air Corsica per assicurare un servizio pubblico che sarà rinnovato a principio dell'anno che viene, a sapere in un quadro di prossima delegazione di un servizio pubblico. Spiegazione in Piero Cnanini. Avio d'Air France non tabista d'Orly e con avio registra più che scarsa parte di 2026. Il gruppo francese ha fatto conoscere stamane in un comunicato la sua nuova strategia e solo eccezione a Corsica. Sei vilari descritti per dire che come il sud della delegazione di servizio pubblico se li strappano, tutti i soli Corsica, Parigi si verranno sempre in Orly. Air France respectera ses engagements et assumit une candidature conjointe avec Air Corsica pour le renouvellement de cette DSP à compter de 2024, souhaitant ainsi s'inscrire dans une desserte durable de la Corse. Mica pensiero da rimessa in causa dunque di un partenariato storico con Air Corsica nella prossima DSP, in due luce d'astronde è già un capodoglio quello della candidatura di Volotea. Ma a mezz'andà c'è parecchia interrogazione. Il gruppo francese ha detto stamana la sua volontà di far parte di tutti gli avioni d'Air France, da Roissy a un nazionale e all'internazionale, a solo 10 compagnie a sta in Orly, quella low cost Transavia. Allora che saranno le conseguenze di questa scelta nuova a partire di 2028, che ha bene di noi per i 250 impieghi non dell'isola, per ora non si sa. E poi veniamo ad imparare che parecchi aeroporti, almeno 6, sono minacciati da attentati. Lyon, Lille, Toulouse o Nizza, fra altri, sono stati evacuati. Ritardi sono dunque da prevedere per i viaggi in cui a Corsica. A un lato dell'ambiente continuano l'assise dell'energia rinnovabile cittadine in Lyon. Una delegazione corsa ci partecipa, atelier sono organizzati. C'est une source d'information pour les acteurs et les animateurs, notamment ceux du réseau d'énergie partagée insulaire, Energia Nostra. Le reportage de Sylvie Volinski et Stéphane Lapere. L'énergie partagée est au cœur des débats ce matin dans l'auditorium du Palais des Congrès de Lyon. À la tribune, des représentants de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique, de la Banque des Territoires et le président de la métropole. Sur les 300 projets collectifs citoyens d'énergie partagée en France aujourd'hui, 75 ont été créés sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Des toits en photovoltaïque, des chaudières ou des réseaux de chaleur bois-énergie, quelques projets de méthanisation ou du solaire thermique. L'implantation de ces infrastructures a commencé il y a déjà 10 ans. On commence à avoir des départements qui sont très bien couverts. C'est le cas ici dans le Rhône, c'est le cas de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère. Il y a des départements où ça démarre juste, on a une ou deux initiatives et voilà, il va falloir un petit peu accompagner ça et quelques années pour que ces projets qui émergent se transforment en projets concrets et ensuite que les territoires voisins copient l'idée, s'approprient l'idée et la fassent à leur sauce, quoi. Le réseau en Corse se déploie depuis seulement 3 ans et commence à prendre racine. Une démarche est engagée à Serra-di-Scopamenne, dans l'Alta Rocca, pour créer une centrale photovoltaïque sur les toits de la commune. Une société composée de citoyens qui participent aux études, au financement et à la réalisation du projet. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans les projets citoyens, c'est que de faire ensemble et de décider ensemble, ça crée une espèce de joie de pouvoir faire, quoi. Donc c'est vraiment techniquement intéressant, on produit sa propre énergie et humainement c'est vraiment aussi une belle aventure. Actuellement, Energia Nostra accompagne une dizaine de projets en photovoltaïque, éolien, méthanisation et micro-hydroélectricité. Une démarche portée par l'AUE et soutenue par l'ADEME. À l'heure actuelle, les opérations qu'on a, c'est porté par des développeurs privés dont les bénéfices retombent donc pour ces opérateurs et malheureusement peu pour les acteurs du territoire. Alors que le portage citoyen permet d'avoir ces retombées au profit des acteurs du territoire. Pour expliquer et encourager ce genre d'initiative, le réseau Energia Nostra organise une journée d'information ouverte à tous. Ce sera le 12 décembre à Ajaccio, au Palais des Congrès. E ora andava a Pessiloghi, in da Bieve di Balerusti, a sapere ci siamo di poi principio di questa settimana. L'attività quella di a maggior parte consacrata all'agricoltura, ma certo hanno fatto un'altra scelta, ci sono quella capi di imprese, certe difficoltà ci sono, ma la speranza e di non presente, e ciò che hanno constatato sopra luogo François Albert Bernardi e Guillaume Leonetti. Commuova per vince a Zoidagui, certi hanno fatto la scelta dell'agricoltura, ad altri le mavere hanno fatto la scelta di investimento, hanno fatto intraprese qui e mandano a scontrarli da Gambia a San Lorenzo. 97 paesi di abbiaia di Valle Rusce, le imprese sono poche. L'investimento abbia un'importante stabilità in Gambia, ma stamane un'impresa già aspetta qualche chilometro durante un cantiere di rinnovazione. Ecco la specialità di questa impresa come oggi qui in Cavignano. Claudio, tutto a posto? Sì. Jean-Antoine Grigné, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un entrepreneur ici dans la région de Balérouche depuis une vingtaine d'années déjà. Comment on fait pour avoir une entreprise ici dans le rural profond, on peut le dire? Mais écoutez, ça se fait sur le long terme. On est obligé de commencer petit, des petits chantiers. C'est mon père qui a créé l'entreprise, il travaillait seul avec ma mère au début. Et petit à petit, il a commencé à embaucher un ouvrier, puis deux. Moi, j'ai intégré l'entreprise il y a une vingtaine d'années. On s'est développé comme ça. Maintenant, on est 9 dans l'entreprise. Et l'entreprise s'est bien développée. On a réussi à se créer une belle clientèle de particuliers. On travaille aussi pour une dizaine de communes dans tout le canton. Dans un bassin de vie comme celui-ci, c'est peut-être pas évident de trouver la main-d'œuvre qu'il faut pour les entreprises. C'est très, très difficile. Moi, je mets tous les ans des annonces au Pôle emploi. J'ai pas de réponse. Je suis obligé de prendre de la main-d'œuvre qui vient de Pologne, de Roumanie. J'ai des sardes. C'est dommage que je n'ai pas un seul ouvrier corse. J'aimerais, mais c'est mission impossible. Ce qui est délicat aussi, c'est qu'il faut leur trouver des logements. Je loue actuellement à l'année 4 logements pour les ouvriers, pour pouvoir les loger. Et très difficile de trouver de la main-d'œuvre. Vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le rural, dans le BTP ou autre, est-ce que c'est possible? C'est possible, un jeune ici, il peut toujours s'en sortir. Après, c'est sûr qu'il faut savoir travailler. Le travail, il faut le faire correctement. Mais si vous connaissez votre métier et que vous avez l'envie, ici, regardez, c'est un secteur quand même magnifique. On est en montagne, c'est calme, il n'y a pas le bruit de la ville. Je veux dire, ça a quand même des avantages de travailler dans le rural et dans une zone retranchée comme Valle Rouge. Merci beaucoup Jean-Antoine Guérine. Et nous, on va continuer notre parcours dans les Balérouches. On va aller rencontrer un autre entrepreneur. Il est charpentier. Il est situé sur la commune de San Lorenzo et depuis quelques années, il a développé son activité en démo. Bonjour. Bonjour. Pierre Buguet, bonjour. Vous êtes charpentier ici sur la commune de Saint-Laurent. Ce matin, qu'est-ce que vous préparez dans votre atelier? Eh ben, ce matin, on se prépare pour partir à Porto Vecchio en déplacement. On a de la souface à mettre sur une charpente, donc on fait la souface qu'on passe à la raboteuse et ensuite à la toupie, de telle manière à créer des assemblages. Et ce matériau-là, ce procédé-là, enfin, toutes ces planches-là vont être posées sur une charpente, pour avoir un aspect vieilli, châtaignier. Créer cette entreprise ici, au cœur du rural, c'est aussi créer des emplois. Vous êtes 4 à travailler ici, c'est participer à la vie finalement de toute cette région dans le rural. Ah bah tout à fait, ouais, c'est aussi pour ça que, par exemple, on a un travailleur handicapé qui habite dans le rural justement, mais bon, il aurait peut-être pu avoir une embauche, on va dire, en ville. Ça me permet de me dégager du temps pour faire autre chose, alors que lui va faire toute la logistique, tous mes transports. Certes, ça implique des sacrifices, mais on a quand même cette qualité de vie, quoi, malgré tout. Ça implique des sacrifices et beaucoup de kilomètres, justement, d'habiter ici. On va aller voir dehors où ça en est. Aujourd'hui, vous allez aller où avec cette marchandise? Du côté de Pianotoli. C'est quand même l'opposé d'ici. Ah bah disons qu'on a 2 heures et demie, 3 heures de route. Tout dépend de la circulation, c'est toujours pareil. Donc ça c'est pareil, ça prend en compte dans les devis par rapport au coût justement du déplacement. Bon certes, on le fait une fois le lundi, une fois le vendredi, quand on part en semaine en déplacement. On l'a bien compris, c'est pas les kilomètres qui vous font peur, c'est plutôt la passion de rester ici qui vous fait vivre finalement. C'est toujours ce même refrain, hein. La qualité de vie et la présence de tous les habitants d'autour, leur accompagnement pour vivre justement dans cette région qui m'est chère quand même. Même si j'en viens pas, j'en suis pas natif. Merci beaucoup Pierre de nous avoir reçus ce matin, on va vous laisser travailler. Merci François Albert. Voilà, nous on va continuer notre route sur tous les chemins de Baleirouche et tutta la zimana qui est Sabiega. Edett, úgy remo domani per un'altra spassidiada. Ho smentigado stasera nanta via Stella l'emissione speciale che sarà consacrata al turismo in giro a Mariano Romani. I invitati contrasteranno dopo la stagione che viene da compiere. Si tratterà di nuove consumazioni che scambiano di maniera da lunga a stagione. L'emissione speciale ha registrato in Bonifacio, comune eleno più che tocca da questa questione, sarà da scoprire a un'ora e meno un quarto nanto a via Stella. La Toledo fuori di corso, Israele e Hamas che si incauseggiano di responsabilità dopo il bombardamento di un ospedale in Gaza che tomba almeno 200 persone. Per l'armata israeliana è il jihad islamico che ne è il responsabile. Non si compie questa informazione, la Corsica sarà piazzata stasera in vigilanza già alla colpa di temporale, a parte se da ottobre fate dunque caso, pesci tralò. Ecco, su Corsica prima sapete, l'informazione continua andando a internet e rete sociale, settore Corsica Sera in Mariano Romani, ci troviamo a 8h30 per notizie in lingua corsa. Buon appetito e a dopo.